Chers compatriotes, Balandignon sur la Congo Live Télévision, c'est toujours votre humble serviteur, Corno Cisco, coordinateur du parlementaire Dibou et des communicateurs de l'IDPS Founa, Charge à Founa. Tout est toujours dans le temps de l'Ikenabiso pour nous faire l'analyse politique et pour nous faire l'actualité politique selon les enjeux de l'air, vu la situation sécuritaire dans notre pays. Awa to lingito e ba to wuti wapi, to komi wapi, pe to so kende wapi, na ba militaire rwandais déguisé comme ba 1-23 na mabilé ya Congo. Sans plus tarder, to kolombe la première point na biso, ezali conseil de sécurité, ba résolution, omo konzamboka na gouvernement congolais, na état-major général de l'armée congolais, ba sili kozwa na conseil de sécurité. Et puis, deuxième point na biso to kolombe la, déclaration Oyo ONG Human Watch Watch ONG américaine au Basali et puis te kolobela déclaration ya envoyé spécial ya secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres au Bengi Wonsia déclaration Oya Sali et puis te kolobela lisusu déclaration ya Arles Odia. Et puis, tu as le danger de l'air, vu la situation sécuritaire. Sans plus tarder, tu as aussi le premier point d'abisso, où il y a la résolution, il y a le Conseil de sécurité, où il y a le vendredi, présidé par Yemé, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de l'armée et de la police nationale congolaise. Où il y a le temps de l'abi, et pas le ministre de la communication, porté par le gouvernement, Patrick Muyaye. Tout le monde a résolution, il y a conseil des ministres. Les militaires retrouvent sur place les images détenues par nos forces armées ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations. Des montres insuffisantes que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Cette attitude récidiviste vit clairement à torpiller les efforts de pacification engagés dans le cadre des processus de Nairobi. En conséquence, le Conseil supérieur de la défense tire les conclusions ci-après. Le M23 est considéré comme mouvement terroriste exclu du processus de Nairobi. Mise en garde à l'égard du Rwanda. Suspension immédiate des vols rwandais à destination en RDC. Convocation de l'ambassadeur rwandais en RDC, Karega. Chers compatriotes, l'air est grave. Si Kagame ne retire pas le M23, les chefs de l'État demandent le gouvernement congolais prend des sanctions contre Rwanda et annule les accords de raffinage de l'or et du coltan au Rwanda, interdit l'exploitation des minerais au Rwanda, chasse l'ambassadeur rwandais et interdit l'entrée du Rwandais en RDC. Chers compatriotes, tout le monde dit par résolution, il y a le Conseil national de sécurité. Makonzamboka à mettre Kagame en garde. Parce que c'est lui qui est à la base. Il a infiltré Mabilé à Congo, na Otobengi, M23, sous prétexte M23, mais Bazaliba, militaire rwandais, RDF, prévané dans le Conseil de défense, de sécurité de défense, Balobi a montré bien. Ba militaire Otokangi, na kata M23, ce sont des militaires rwandais. Ba arme auto kangi bibundeli auto na 2023 ezali bibundeli au gouvernement ya mboka et pesaka armée ya mboka nae parce que to kangi ba char de combat to kangi ba missile to kangi ba bombe to kangi ba tenue militaire to kangi ba arme lourde
Ok, armement, on a ali ba armé o ezalaka na kati ya armé ya mboka. Comment se fait-il groupe rébellion, groupe de terroristes bazwa bi bundeli oyo armé ezalaka na yango? Chers compatriotes, allez-y comprendre ici ka Congo ezalaka infiltré. Mais ba révélation ekobima. Tant que toi qui mieux côté na est, 1-23 vend du calme. Nzo kande ba signa ki accord na mise Kabila et politique nambi. Pour na été a instruit le gouvernement à taper une bafoutaka M23 par mois 3 millions de dollars à Pessi Bango site ba minerie bafay na Zamba ba pillé minerie Rwanda est comme le premier pays à production ya or na ya coltan na ya cobalt mais tandis que Congo ba kolo minerie tout ça pour produire et le comme côté tout ça na usine tout ça ka raffinement ya or na cobalt mais Rwanda ba na yango te mais le quoi ba imposer une politique na mbinde ko na bango à foutre 1,23 par mois, 3 millions de dollars. Après, c'est mon site, il y a un minerai et il y a un Rwanda. Il y a un calme. Mais tant que je suis en train de pouvoir, je vais décréter le Kouana, je vais décréter l'état de siège. Tant que je décrète l'état de siège, je vais avoir le pouvoir à Kata qui déjà instruit le gouvernement, à Kata et le Kouana, il y a un paiement. Il y a 3 millions de dollars dans Kata Barébel, 1,23. Zo kande ba militaire rwandais. Mbongo wana e bana ko mande ngini. Kabila pesu instruction. Na gouvernement ta pon ba bisa ka 3 millions de ba vira ka na Rwanda. Rwanda zui yango a viré na ba rebelle M23. Et puis ba signa ki accord. Ya ko comme ça M23 comme mouvement politique, donc comme parti politique. Donc na liste ba parti politique ya Congo o Kabila tika M23 et ça le quoi na liste ba parti politique. Nous avons un membre M23 au Bazan Akatia Sénat, au Bazan Akatia Assemblée nationale. Tant que nous avons les patriarches, à l'Obaki, chers collègues, quittez les groupes armés. Mais nous avons dit que nous avons un groupe armé à perdre la faculté mentale. Mais nous avons dit que nous avons tant que nous avons honorable sénateur, honorable député, na complet costume na cravate ya zo mona bango balasi ba minduki na chaîne ya minduki na ba char de combat na bibuneli na matile ba kongo na maboko na ba minerai ba simile maboko pili na kati ya Congo pona kotonga ba immeuble ko la mayibo ba 18 niveaux ba flat par ci par là hoteli salaire ya député a koki kotonga ndako wana te dans un mois dans deux mois dans une année mais baza kotonga banda ko na parce que ba kota na cop ya kopier minerai ba kota na cop. Il y a un groupe rébellion. Papa Mbosoko dit, tant que mes chers collègues, quittez le groupe rébellion. Azala qui n'a éveil de la conscience. Azala qui voyant. Et puis, il y a un groupe qui est en train de se faire. Papa Mbosoko dit, il y a une motion. Il y a des soucis. Mais papa Mbosoko dit, il y a une vérité. Rien que la vérité. Chers compatriotes, partout où vous êtes dans le monde, vous avez un groupe qui est en. Parce que les autres font là, ils bloquent et puis besoin bah degré Congo et c'est là qui infiltré et puis vidéo bo partager en haut et puis bo s'abonner massivement na Congo Live télévision et si ka bo besoin bah vérité y a Moka Congo. T'as là degré Congo et c'est là qui infiltré, chers compatriotes. Néomoni silence radio. Où est-ce le Kélabiso jusqu'à preuve du contraire. Na Kachebu, na Kachamata, na Kingakat, na Faden Ouz. Silence radio, déclaration mon côté basali contre attaque violente ya armée rwandaise na Kata Mabili ya Congo. C'est pour vous dire que Batouana basali d'étranger. C'est pour vous dire que Batouana baza bande qu'on a bi sauté. Tant basali bloc patriotique, faut que tu na bango baza pour représenter quelle patrie. Parce que tant que vous avez la patrie, il faut que la patrie soit en Kanayo. Si vous avez la police, vous avez représenté quelle patrie? Il y a Rwanda et Tanzanie. Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez représenté quelle patrie? Il y a Cameroun et Sénégal. Si vous avez Soriano, Daniola, alias Moïse Katumbi, vous avez représenté la patrie, il y a Italie et la Zambie. Parce que jusqu'à preuve du contraire, silence radio. Bafan dit calme, c'est comme si rien n'était. Or que Congo, tous en attaque,
y a un terroriste M23 en collaboration avec RDF armée rwandais. Tout le monde qui est en Ukraine, tant que la guerre est entre Ukraine et Russie, va opposer à l'Ukraine. La fois passée, il y a un mot. Ba sangana comme un seul homme dans le gouvernement, toutes les classes socio-culturelles politiques. Na ba jeune, ba sangana qui pour na kobundisa Russie. Tandis que quelques hommes comme Mokamukie, ba atteint un niveau d'armement en Russie. Mais ceux qui ba résister parce que ba sangana qui. Mais biso a ba étranger oyo, ba tingami na politique ya Congo, pour na copier Congo, pour na koboma peuple congolais, pour na kokosa peuple congolais. Ya on la singa tous les congolais partout tous sommes dans le monde. Tous en éveil de la conscience. Et les alliés blocs patriotiques, les alliés blocs antipatriotiques, autres blocs bapayatiques. Les alliés derrière M23, les alliés derrière l'armée rwandaise. Parce que les gens sont dans la famille politique, il y a Kabila. C'est un sort de kabiliste. Ils ont un service, il y a Kagame pendant 18 ans pour la copier minerai, pour la s'enrichir. Non, il y a besoin de Katumbi, commissionnaire, il y a Kabila. Les lots, ceux qui vont créer réconciliation, ils ont réconciliation. Ils ont mis ce noir contre la République et puis Kabila a profité sous mes dessous et en bon. Ils ont mis ce noir contre la République. Pour nous, nous avons mis un milliard de dollars pour les pays qui sont au Congo, pour les pays qui sont au Congo. C'est pour vous dire que les biens mal acquis ne profitent à rien. Allez-y comprendre. Tala degré Congo, ils ont infiltré. Tala niveau Congo et Koufaki. Tant que je suis en train de me faire Koufaki, et tout le coup, je suis manipulé dans l'étranger, je suis condamné. Mais tandis que je suis en train de me faire opposition, je suis en train de me faire. Mais tant que je suis en train de me faire, c'est la seule personne qui a mieux informé que le Kangana. Tant que je découvre que je suis en train de me faire Koufaki, c'est-à-dire M. Kabila et M. Kagame ont fait plonger ce pays dans la misère la plus sombre de la planète, dans le noir. Mais si quand on l'a vendu, à ça qu'on a battu Mboke Koufaki, Kabila le Kanachangu a financé dans ma casse ou dans Kabila Zonga. Kabila Zonga pour armée congolaise et Zonga l'infiltration dans quatre armées rwandaises. Kabila Zonga pour baso à Congo, babo Mayango, ba Kunda Yango, ba Longo Longo la carte d'Afrique et côté en Rwanda, Goma comme en Rwanda. Maniema est comme en Rwanda, Ituri est comme en Rwanda, Nord Kivu est comme en Rwanda. Souci de moi, chers compatriotes, il faut qu'on mette les bateaux hors d'état de nuire. Loi au bavotagi hors mandat pour la Kolobaïti, mais c'est Kabila, malgré le crime à Saïna Congo, malgré la bavure à Saïna Congo, malgré la tuerie qu'on y va y Congo. Bah, koki ko benga ina justice te ezali loba votaki hors mandat parce que mandat M. Kabila na mandat ba député wana esukaki na 2016 loi wana ezali ki hors mandat mais M. Kabila zo mérité ba benga ina justice ba sambisa ye et puis ba condamner papa et chek se do mulumba ba ngongo makasi abi M. Kabila c'est un voleur que la RDC n'a jamais connu M. Kabila a pillé a volé pendant 10 ans, plus que M. Mobutu a volé dans 32 ans. Balobi, papa, c'est que Mulumba a perdu la faculté mentale. Or que papa est tien dans la vérité. Tala Moutou a pillé pendant 32 ans, mais Moutou a pillé pendant 10 ans. Pas même 18 ans, pendant 10 ans. Mais a pillé plus que Mobutu. Tala Banda a tourné dans Tanzanie. Tala Banda a tourné dans Rwanda. Ba entreprise a tourné dans Tanzanie. Ba entreprise a tourné dans Rwanda. Na Congo a tonné en moté. Na Afrique du Sud Kolobaté. Rapport à Congo Hold Up Kolobaté. Donc M. Kabila, c'est un voleur de tous les temps. Na Katia Congo. Azo mérité ba bengaye. Ba sambisaye. Ba tunaye. Pourquoi azo ki monsolwe ba contribuable congolais. A tindi kakayango. Pour na ba kende koufoute ba 1-23. Ba révélation d'ali grave, chers compatriotes. Pourquoi azo ki monsolwe ba contribuable congolais. Et foutre 1-23 et tout le coup est mon mouan et 3 millions de dollars par mois. T'as le niveau Congo et comment qui infiltré. ONG américain, Otobengi Newman Watch Watch, confirme que le rebelle 1-23 a été recruté par M. Joseph Kabila en 2013 et 2014. Tant qu'on a recruté Bango, annexé Bango dans la 4e armée congolaise, Ndamboati qui est la frontière. Dans Nord Kiv, pour créer une sécurité. A tchè bango na kasi armée congolais, a affecté bango.
na Kisangani, na Kinshasa, na Goma. Pour na kosa la répression na peuple oyo abana kosa na élection dans les délais constitutionnels conformément na calendrier électoral. Tala ici kamboka ekufaki. Batu oyo nyonso bakoyaki na 2016 na ba marche pacifique o batumba ki na permanence ayi de PES vivant bazo kufa kota bazo zika moto ezalaki la police nationale congolaise te ezalaki armée congolaise te ezalaki 123 na tenir la police congolaise o Kabila rekitaki po na ba ko infiltrer la police ba ya ko infiltrer armée congolaise wa ezali déclaration ya ONG américain o tobengi Newman Watch Watch. Chers compatriotes, beaucoup de vérité accablante, de vérité grave. ONG américain est ici. Mais au moment où il y a une marche pacifique, une tuerie, une Rossi Mukendi, une Thérèse Kapanga, une Serge Lukusa, une Arma Tungul, une fausse commune, une Congolais vivant dans la carte de Maboulou, une Congolais vivant dans la carte de Ebali, dans la carte de Sac. Na kingatas na baliopa kolobate. Tala esika mese Kabila a ploja ki Congo. Me yo vandia ou me li bombe na bang. Ozumwa 5000 la Kabila ou kayiko yemba Kabila zonga. Ma konza mboka Félix Tshisekedi Tshilombo azana lourde charge. So ka beti mesa a mettre Rwanda en garde. A mettre Kagame en garde. Parce que trop c'est trop. Ma konza mboka yiko comprendre ba realité belé. Oyo Kabila a signa ki ba corps. Na Kagame pour la ko détruire pour la côté ka Congo na maboka ba Rwanda sous bénédiction ya ba expatriés ya ba occidentaux sous bénédiction ya Union européenne o basaki biso coup d'état au niveau à Genève pour la ko misa ndakala au détriment ya baleine autre ben Félix Tshisekedi Tshilombo parce que na niveau à baleine na Genève eza na moto mokote azaki na poids politique ko le ka Félix Tshisekedi Tshilombo mais plan na bango ezaki ya côté ka Congo. Il y a un imposé biso un Sénégalais camerounais à ça la continuité. Il y a un Rwandais tanzanien à ça la qui n'a qu'à il y a Congo pendant 18 ans. Il y a pour tête à Congo, il y a pour sacrifier par Congolais, il y a pour tête à minerie à Congo, il y a pour kaba minerie à Congo. Namaboko et Rwandais. Le Rwanda est comme un pays, premier pays, il y a production, il y a coltan, il y a cobalt, il y a or. Mais tandis que Bazana Yangote, Bazouaka Yangon à Congo, sous bénédiction, il y a armée rwandaise déguisée en M23. Chers compatriotes, Tala Isika, Mboka et Koufaki. Les chefs politiques du M23, autre bien la Congo, Bertrand Bissimwa. Concernant les rapports Newman Watch Watch, a précisé que le gouvernement de la RDC a saboté la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi et réécrite clandestinement. Quelques éléments de M23 sont cantonnés à Kinshasa, à Kisangani et à Goma. On les a les chefs politiques de M23, Otobengi na Gombo, Bertrand Bissimwa, a dénoncé à la TV5 en 2016. C'est pour vous dire que Kabila a respecté le texte. Chers compatriotes, Tala ici, Kambo, qui était Kamaki. Mais c'est Kabila qui a quitté M23 pour annexer la 4e armée congolaise, la 4e police congolaise, pour ne pas bomber le peuple congolais, pour assassiner le peuple congolais. Mboka si été comme qui kala. Mon konzambo, le 4e bakor wana, il y a salaire à M23, ne pas bimina zamba. Ba lamuki, pour na kobunda sous prétexte que mon konzambo ka kubenga bango, ba signer bakor, ba banda kozwa salaire. Ne sika Kabila, c'est là qui programme autobengi DDR. Cause ba militaire, ba rebelle rwandais, ba rebelle nazamba ko annexé bango na 4e armée congolais. Ndozo mona un général autoproclamé azo ata formation militaire té, mais monsieur Kabila rekité à côté na armée congolais, ba tiké na poste général tala esika armée ebebaki. Mon konzambo ko lelo ba ke armée eza bien té, mais ba y politique, ba salé ki passé politique. Pour na kwakize mon konzambo kana armée le loma loba mon konzambo ka tant va critiquer armée congolaise et puis si armée pifo et puis si armée makas ya ko neutraliser tous les groupes rebelles na niveau ya est na Ituri tina Nord Kivu armée congolaise ba bi cette facile on va neutraliser
le groupe rébellion jusqu'à dernier retranchement. Nabola Nissamie Moulba Mokonza Mboka, où il y a cette riposte sera impitoyable jusqu'à l'éradication totale de ces fléaux. Chers compatriotes, c'est l'heure grave. L'heure a déjà sonné pour sauver notre patrimoine. L'heure a déjà sonné pour pacifier l'est de notre pays. Selon détermination de Mokonza Mboka, a Betty Messa, le Conseil de sécurité, a lobby trop, c'est trop. Pas question. Et tellement côté, Nambouté à Congo, et Kokende, et pas Yabapaya. Et tellement Nambou à Congo, et Kokende, Naba Rwandais. Yango qui gouvernait militaire Constant Dimba, coup de chapeau, a bloqué tous les frontières entre Rwanda et RDC. Pas d'entrée, pas de sortie. Kagame, Kabila, Rubewa, Balili na Kinya Rwanda. A besoin de ma révélation. Parce que ma révélation est allée belle. Les deux militaires de l'armée rwandaise RDF ont été appréhendés par les forces armées FARDC à Biruma dans les groupements de Giziri à territoire de Rutshuru. Mokolo ya lobi lisusu et FARDC va capturer deux militaires rwandais na Rutshuru na village otobengi Gizari ba rwandais balé na monoko ya mboka et FARDC ba bomi plus de 320 militaires rwandais o balé na mabé na mabélé ya Congo na ba militaire na ba tenu rwandais. Ba zubi bundeli na bango nyoso, ba bombe, ba char de combat, ba auto bengi ba teni, dans ma missile, ba militaire wande ba lali bibembe. Yango yokaki, Mokonza Mboka instruit gouverneur militaire, ba mettre à témoin communauté internationale, et puis ba tini mécanisme ya suivi ya CRGL, o ba kitaki na Rwanda pour nous vérifier si réellement. Ba militaire rwandais ne basali na base ya kosemé désolation na niveau ya est sous prétexte M23 et puis ces rejets tant ba kayi ba confirmer yango tant ba zongi na Congo gouverneur militaire Constant Dima a pesi ordre na commandant Sokola D autre bengi Peter Sirimwina a présenté na ces rejets ba bibundeli nyonso na ba teni militaire rwandais oyo armée congolais et kangi na ba militaire rwandais au bazo ya sous prétexte que baza ba 123 gel bazo ya ngo ba photo basali ba vidéo ba boaki na niveau ya conseil national de sécurité conseil de sécurité des nations unies Mokonza Mboka a mettre communauté internationale en témoin yango ki Rwanda ba komi ko na monoko ya Mboka les chefs d'état major et autres hauts cadres militaires à Goma pour s'assurer du déploiement militaire pour toute éventualité. Chef d'état-major général Célestin Mbala Moussese, n'a quelques hauts cadres militaires au moment où je vous parle, Bazan Mabélé à Goma, pour assurer si le déploiement militaire et ça pour ça, Maloulengi et Longobani. Mais tu as dit que Célestin Mbala a été nommé par Joseph Kabila. Mais tu l'ingité le colo kitikuna sala musala ndenge le ngobani état congolais parce que ils ont défendre mabilé à Congo to boy système qui traite tous en confiance na yo Mokonza Mboka pe sur confiance état congolais au sala musala jusqu'à sacrifice suprême to défendre mabilé à Congo to défendre sol congolais parce que l'air est grave aux ali moment ya ko sauver patrimoine ya ko battre la intégrité territoriale. Parce que ce soldat n'est pas officiel, ce n'est pas serment, il y a un sacrifice suprême pour assurer l'intégrité territoriale. Déclaration à Arlette Odia, où il y a le Bissoki, Chadar, Abimak, chef de l'État, mais tout le monde est en sécurité, où il y a la STT. Mais si vous avez le Chadar, Abimak, chef de l'État, sur quelle magie, na nengenin. Nanya Bosse que Chadar, c'est lui qui est à la base. Il y a assassinat, il y a désespoir, il y a Nations Unies. Autre bien que Michael Sharp, Nazeina Catalite.
moi na moi si on a zéro na katala zala qui fille unique bah bota yé moko na libota naï mais bah kati bango mitu na kati sakasai à l'époque Shadar ministre intérieur chef de sécurité ya Congo Mobimba à l'époque na zala à la base il y a massacre il y a bah Congolais na kamona sab nani oh loba ki muta fingi yo maman na yo yo pe fingi maman na yé. Est-ce que Moutan Nengwana, à comme chef de l'État, ils ont continuité à la police Kanambe, ils ont continuité à la Rwandais, ils ont continuité à régime Kagame, dans le Congo il y a 18 ans, il y a un peuple congolais, Oyo, il y a éveillé, Oyo, il y a un éveil patriotique, Oyo, il y a un éveil de la conscience, Oyo, il y a un éveil de l'eau, il y a sanctionné tous les étrangers dans le Congo, il y a un bien Félix Tshisekedi. C'est une bénédiction pour la République démocratique du Congo. Ne va sanctionner mon irne. Arlette Odia, si tu ne comprends pas la politique, comprenez quand même les signes du temps. Où ils allaient moment, il y a des signes du temps. Où ils allaient moment spiritualité à les Congolais. Et comme ça, là, pour nous sauver le Congo, à travers moi, Namboka, Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême de l'armée et de la police nationale congolaise. Arlette Odia, qui est né dans Kingakat, local en service de Rwanda. Il y a M. Police Kanambe, qui est né dans Kingakat, qui est né dans Kata Bilanga, qui est né dans la jardinerie, jardinier, comme ça, au Kata Kamatit, dans la pelouse, il y a la police Kanambe. Dans la politique, il y a Congo, tu ne connais absolument rien. Aux gens, laissons mon côté, il y a un peuple congolais, qui est né dans la Moussala, au service, il y a la police Kanambe, dans le service de Rwanda. Congo, il y a lobby, et ça dit Congo, il y a l'éloté. Armée à faire des à lobby et Zali faire des à l'éloté. Commandant suprême actuel, il y a FRDC, Azali, autre fils du pays, congolais de père et de mère, Félix Tshisekedi Tshilombo, à mettre les pendules à l'air, à mettre les points sur les îles, les barres dans les aides, donc c'est-à-dire à conclure Makambo. Donc tous les problèmes du Congo, c'est déjà résolu. Sur tous les plans. Sur les plans sécuritaires, sur les plans armés, sur les plans sociaux. Et puis sur les plans éducation, c'est déjà résolu à travers moi, Namboka, Félix Tshisekedi Tshilombo. Tout ça, dans un moment de distraction. Qu'est-ce que c'est la distraction? Qu'est-ce que c'est la théâtre? Qu'est-ce que c'est la Kingakati? Le gouvernement congolais décide de suspendre toutes les réunions obscures dans le Congo. Aux réunions de la Kingakati. Aux réconciliations, Bilo Kouana, la ministre au gouvernement, Télémeli Yango. Parce que à travers la réunion, Nézo la Moussa, Bibembe, oh déjà, FRDC, a neutralisé qui dans l'état de siège. Chers compatriotes, l'air est grave. L'air a déjà sonné pour sauver notre patrimoine. Guerre à Ukraine ici. Et puis ce processus, il y a qu'à sauver le peuple africain. Parce que l'Occidental n'est pas la base. Il y a qu'à créer la guerre dans l'Afrique. Entre nous, critiques africains, tout le monde a gâté. Surtout critiques congolais. Et ça passe pour les Congolais, malgré Rando, malgré que soit dans la dispute, dans la poison, aussi dans les Congolais. Et si c'est là pour Salamate, depuis Kassavubu, depuis Mobutu. Quand on a un événement à Mouzeï Kabila, tant que les gens sont rwandais dans le Mboka, ils sont en Congo et comme ils sont en Congo. Poison en Congo et comme ils sont en Congo. Il y a une guerre qui a été en Russie, à l'Occidental, comme ils sont en Congo. Ils ont dit que le processus de délivrance pour le peuple africain, surtout pour le peuple congolais. Conseil de sécurité des Nations Unies. S'est mobilisé comme un seul homme. Batindi a envoyé spécial. Il y a Nations Unies, autre Antonio Guterres. Batindi a envoyé spécial, autre bengi Roncian. Na processus, il y a Nairobi. Pour na ko respecter l'accord cadre à Addis Abeba. Dans l'article 20/98, où est le lobby, armé mon côté en Mboka, parce que la dernière base aérienne, il y a une force négative dans le cadre de Mboka Moussous.
Mais Rwanda va violer l'accord cadre à Addis Abeba. Ba komi base à rien. Il y a force négative autre même M23. Nzo kané M23, ce sont les Rwandais. Ce sont les militaires rwandais. O bazali basé na katia est ya mboka na biso. Yango Conseil de sécurité des Nations Unies va saisir représentant ya Nations Unies autre bengi Antonio Guterres yepe na tournaye atindi na Nairobi na processus ya paix autre bengi consultation envoyé spécial nae ancien a qui ne coûta la processus de paix et de sécurité et de développement ndenge eza ko se dérouler na niveau ya Nairobi. C'est pour vous dire que Mokonzamboka a sali en diplomatie pour mettre fin na cacophonie oyo eza kolika na est. Chers compatriotes, l'air est grave. Na kati ya ba résolution oyo ebimi na consultation en Nairobi balobi boye tous les forces négatives y compris les M23 retournent dans leur pays d'origine sans condition et puis exclure le monde M23 dans le processus de paix et de développement dans la consultation y a Nairobi tant que tous les forces négatives bazong na mambo na bango y compris M23 né au moni est-ce que ba police moto bango ba lini accord na programme au Kabila c'est qu'il y a DDR ya ko annexer bango na armée rwandaise ya ko fouter bango 3 millions de dollars par mois ne ba police moto mais accord wana ba boiter pas na programme au konza mbo salaire to bengi programme PDDRC oui lobby tous les forces négatives au bazali ba congolais ba kota na programme wana PDDRC oui lobby ke ba kozwa formation pour na été bazonga bazwa mayele ya kuvanda comme tous les citoyens dans la société et non ba kota na armée. Tous les forces négatives au bazaba étranger bazonga na ba pays na bango respectif. Chers compatriotes, tala ici comme konza mboka ala kisi opinion nationale internationale aza na bolimo ya Congo na bolimo ya ba congolais koleka yemoko ne alobaki nandimi jusqu'à sacrifice suprême. Ce que c'est dans la côte à Mabili, nandimi yango. Mais na sauver République démocratique du Congo, surtout est un mot biso, makila, o ezali kosopana, ezali ya bamboate, ezali ya banyamate, ezali ya basosote, ezali ya bantulopte, ezali makila, ya bandeko na ngai ba congolais. Ezali kola makila na nga Félix Tshisekedi Tshilombo, etangi na se. C'est pour vous dire que Félix Tshisekedi, c'est une bénédiction pour la République démocratique du Congo. Et sengi ngai na yo, tous les Congolais, oyo tozwami, partout dans le monde, to soutenir notre frère, notre sang, Félix Tshisekedi Tshilombo. Oyo la kisi deva opinion nationale, internationale, azana bolimo ya Congo, koleka ba Congolais nyoso, koleka ba politiciens nyoso. O bazo ko sa biso na ba discours ya lokuta, tandis que ce sont les étrangers, o ba yo se filtrer na kati ya politique ya Congo. L'air est grave. Premier ministre de la Grande-Bretagne, autre bien la combo ya Boris L. Johnson, ou ya l'obaki ya te bazwa, ba réfugié na Grande-Bretagne, ba tindi kabango na Rwanda. Mais tandis que il y a plusieurs réfugiés, il y a plusieurs réfugiés rwandais, ou bazan na kati ya Congo, ba nya Rwanda, sou ba nya Rwanda, sou ba nya Moulenge, ba zui bango te, pona kozon se bango na kati ya Rwanda, mais bagi nou kozwa, ba réfugié au bazan na kati ya Grande-Bretagne et zalaki ba terroriste ou alingaki a infiltré bango na kati ya Rwanda pona kokotse bango na kati ya est ba ya ko neutraliser Goma bazwa Goma ekota na Rwanda pona ko piller ba minerai ya Congo et ke ndanga na Grande-Bretagne et ke ndanga na occidentaux et ke ndanga na kati ya Rwanda yango na tobi Félix Tshisekedi c'est une bénédiction pour la république. Il faut que soutenir yé au moment où je vous parle. Ba bétier na niveau à Grande-Bretagne. Ba bétier ma casse na casse à Grande-Bretagne. Et puis ba Rwandais ba lobi pas question. Ceux qui ba kozwa ba so ba réfugiés au bazan na Brazzaville ba Rwandais.
au bazar na Uganda, au bazar na Burundi, au bazar na Congo, bah qui nous sommes en Rwanda. Et non, bah terroriste, au bah route na Grande Bretagne, bah route na Grande Bretagne, pour bah envahir Rwanda, bah tini que bah on sait na kati ya Goma, bah récupérer Goma, et comme sous contrôle ya Rwandais, et comme sous contrôle ya Grande Bretagne pour accompagner minerie. C'est facile, chers compatriotes, l'air est grave. Au moment où je vous parle, l'air est grave. L'air a déjà sonné pour sauver notre patrimoine. Ah, si quoi, y a une déclaration. Oyo, par révélation, oyo, c'est la mine en gonga, oyo. Témoignage de l'un des militaires rwandais arrêtés par les FARDC confirme l'implication du Rwanda dans la déstabilisation du Congo. J'espère que Fauteur en Bozomona n'engue à salir à la témoignage parce que il comme une vérité polele polele. Les FARDC frappent de nouveaux bombardements cet après-midi sur les positions de 1-23 par voie aérienne. Bitumba a changé système. FARDC a changé système. Bitumba le moins n'engue assez. Et comme il commandement n'engue à l'écolo, n'engue à ordinateur. Bagnati na machine, ou n'a pas bombardement, ils ont bêta par voie aérienne. Donc c'est-à-dire, Félix Tshisekedi Tshilombo a commis comme le FARDC un système professionnel international. Les positions de 1-23 soutenues par l'armée rwandaise à Chanzu, à Union, ont été la cible des frappes de bombardements aériens des forces loyalistes de la République cet après-midi. Les FARDC sont déterminés à pousser l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement des soldats rwandais aux arrêts. Au moment où je vous parle, bah, où sont deux soldats rwandais. Chers compatriotes, l'air est grave. Au moment où je vous parle, les bazos ont des soldats rwandais. C'est pour vous dire que Makonza Mboka a lobi pas question. Ba ventir ezali susuté. Awa ba révélation ezali ebele, chers compatriotes. Ba révélation ezali ebele. Rwanda eleli. L'armée rwandaise exige la libération de deux militaires capturés par les FARDC. Bolanda communiqué à l'armée rwandaise. Awa ne esika to chité. Kigali, le 28 mai 2022. Suite à l'agression provocatrice des FARDC, le 23 mai 2022. Où plusieurs roquettes ont été tirées sur le territoire rwandais. Les FARDC avec les FDLR ont attaqué les RDF les langues de notre frontière et les deux soldats des forces rwandaises de défense ont été enlevés alors qu'ils patrouillaient. Nous avons depuis localisé ces deux militaires. FDLR dans l'Est de la RDC. Nous appelons les autorités de la République démocratique du Congo qui travaillent en étroite collaboration avec ces groupes armés génocidaires à obtenir la libération des soldats RDF. Chers compatriotes, Kagame a l'élu na Kinyarwanda. Tandis que FDLR et Zaliba, groupe rébellion fabriqué par Yemoko Kagame. M23 et les groupes rébellion fabriqués par Yemoko Kagame. Yo Monawapi, armée rwandaise RDF, ben pour ça la patrouille na kati ya mabile ya Congo et puis na kati ya M23 tala kindoki. Ba komi ko kosa sikoyo ke FARDC ba o travailler collaboration na FDLR ou ezali groupe rébellion ou ebunisaka Rwanda. Nzokande FDLR ezali groupe rébellion fabriqué par Yemoko Kagame. Yotin na militaire rwandais ba kosala partout na kati ya Congo. FARDC ba ke wapi? Kagame aleli na kinya Rwanda. Nanu balilite
mais tandis que FRDC bazana ba preuve tangible o les a ko la ki ça que armée rwandaise ne bazali derrière M23 autre bengi branche ya RDF armée rwandaise mokonza mboka azuba preuve nyonso a la ki si yango na mokili mobimba autre bengi na lopoto communauté internationale va prendre acte ya violation grave ya accord cadre ya Addis Abeba oyo lobaki groupe armé mon côté ba koki ko sala base aérienne ba ko soutenir ba force négative mais Kagame a violé yango azali ko soutenir M23 azali ko soutenir autre bengi ba Afdelek azali ko soutenir ba groupe rébellion au et au niveau à est. Au moment où je vous parle, au niveau à Itour, peuple à Itour, ba bimina balabala, na ba Congo, na ba pau, na ba épée, na ba machette, na sima ya force armée congolaise, pour na kolanda. Tous les forces négatives au Bénin Kodeko, ba kimiti na ba frontière, na ministre Oyo, na Itour, tout est sous contrôle. Il y a population à Itour, il y a jeunesse à Itour, na force armée congolaise. Bakangi, oui, officier. Oui, militaire, na lieutenant colonel, moi qu'on a Itour, ba condamné, ba on peut radier, ba on a armé, ba on va zoaka, ba bibundeli, ya FRDC, ba qui ne coupe, c'est ba rebelle Kodeko. Na ministre Oyo, spiritualité à Congo, et comme il y a ça là, pour nous sauver, moi qu'on a biso, y a mon assigné à tous les Congolais, tout soutenir notre armée. Na salué koki se va député à Nord Kiv ou ba Congo li mon sol sali $100,000 ba ti en ange pour na soutenir notre armée ou ba sali na front ya mboka na biso na félicité ba motocycliste na Nord Kiv ndenge ba za sala musala ya ko soutenir FRDC na ko soka ba mai na ba moto biloka ko lia ko memela ba na front front ekomi frontière ya Rwanda na Congo. Donc côté ba rwandais côté armée congolaise au ba côté qui tina Rwanda mokolo ya lobby de commandement militaire ba ici ba bima basé là ordre et outa na commandant suprême ya moto maître communauté internationale à témoin par Félix Tshisekedi Tshilombo na sengi na biso nos tout soutenir notre frère notre sang par Félix Tshisekedi Tshilombo par ces cas na bituma munene biso nos ba congolais tous na bituma munene ya ko sauver mboka na biso soki lipamboli eza munene bitumbe za ka munene na sengi na chef de l'état mbongo ma ponomia ba élection na sengi na gouvernement congolais Denis Kadima élection ezali priorité mais ezali priorité de priorité ezali sécurité ya ba congolais ba jean mosolo wana ba tindika yango ba financer yango na budget ya armée afin que ba jo motivation ba buna makasi ba pacifier est ba recruter ba jeunes volontaires ba qui ne ko renforcer armée parce que to pacifier est élection to kotala yango dans les jours à venir atteint 2030 to zali précété to zana posta kimia ko na Congo c'est votre humble serviteur Cordon Cisco pour na kozwa ngai plus 243 89 68 53 286 plus 243 89 68 53 286. C'est votre humble serviteur Cordon Cisco Charge Afuna. J'ai dit et je vous remercie.